not make a little beef. Oh, thank you, Zhang. I get that. Man, I'm just saying, I'm gonna need a vacation after this season. Oh, you hear that crowd? That can't all be for us, is it? It's Han Qi. What's that? It's a him, Han Qi, on the Jets. Oh, you mean Qi, the forward? He flies above. When he lands, Jets win. So they got a guy with a solid vertical, so what? We good, we got this, baby. He flies. Loose. D'accord. Bon bah comme je joue pas Elie cette année, c'est pas moi qui serai dessus, celui qui vole apparemment. Ah ça commente en chinois. Ah ça me perturbe. ça fait bizarre, c'est pas grave, let's go. On n'est pas starter. Bah ça va être sympa ça pour marquer 20 points. Alors le takeover, remplissez la jauge, ça on connaît. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur ça. Votre entente au sein d'équipe est super à 50%, donc on va vous filer plus de ballons. D'accord. Yes, c'est bon, on va rentrer dans le jeu direct. Ah, la caméra! Touquet, messieurs, dames, Touquet à 7 avec zoom raquette, enfin. Tout leur apprendre à ceux-là. On va y aller direct avec un pick and roll. Alors on va tester s'il y a du blow by encore. Donc il n'y a plus de blow by. Ça c'est cool. Est-ce qu'il va voir ma coupe? C'est bien. Bon, je m'attendais pas à ça, mais il a vu ma coupe. Sans que je lui demande la balle. Et ça c'est cool. Le rebond. Ah. Falloir me laisser le rebond les gars. Faut que je brille. Faut que je mette 20 points, je vous rappelle. Oh shit, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On n'a pas un archétype très très polyvalent, hein. Nous c'est la raquette et puis c'est tout quoi. Donc va falloir qu'il m'ouvre le chemin. Et comme je suis pas meneur, j'ai pas accès aux isolations, etc. C'est défendu. Alors cette année également, il faut contester les tirs avec votre joystick. Ça va pas le faire automatiquement pour vous. Ça augmente un petit peu le skill gap. C'est intéressant moi je trouve. Alors pour l'instant on n'a pas beaucoup de contrôle de balle et le fait qu'il n'y ait plus de blow by ça va peut-être nous pénaliser un petit peu pour le début du jeu parce qu'on va pas pouvoir se démarquer vraiment. D'accord, les snatchbacks marchent plus non plus. Est-ce qu'on a du mid? Oh on a du mid. Mais après c'est le début du jeu. Forcément ils vont nous laisser un petit peu plus de pourcentage au tir. Le premier carton est déjà fini quoi. Faut qu'il nous laisse plus jouer le coach. Eh oui je me suis endormi. Eh oui, c'est ma faute. En tout cas, c'est cool qu'ils aient enlevé leurs chaussures Touquet parce qu'elles étaient dégueulasses. Allez, fais-moi la passe. C'est moi la star de l'équipe. Petit écran. Ok. Je comprends pas. Ça me montrait qu'il allait le prendre de l'autre côté pour moi. Putain, c'est renforcé la défense hein, parce que là, va pénétrer. Aïe, aïe, aïe. Je joue super mal. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, donne la balle. Donc là, l'écran est censé... D'accord, bah, je comprends plus rien aux écrans, moi. Cette année, c'est très bizarre. Oh, je vais faire un hop-step. Bon, alors, est-ce qu'on a du lancer franc? Oh, c'est vert. 4 points par match de moyenne dans la saison. Ah, mais oui, c'est que celui-là, c'est le premier match de la saison, peut-être. Alors... Lee. Oh là là, cette gâchette. Donc il s'appelle Wei Li. Et il met des sacrés 3 points. Donc on va se reposer sur lui. Hein. On va faire des passes d'ess. Allez, on y retourne. Mes chers amis joueurs PC, toutes mes condoléances d'ailleurs. Parce que vous, pas bon. Hein. Toujours pas de prélude sur PC. Bon, il le met de quel côté? Mais je comprends rien aux écrans. Ou alors c'est bugué, je sais pas. Mais c'est jamais du bon côté. Enfin, du côté où j'ai l'impression que ça, l'interface me dit qu'il va poser l'écran, c'est jamais là qu'il le met, quoi. Je sais pas si c'est moi ou si c'est que c'est bugué. Mais... C'est pas super. Après, je suis pas très concentré parce qu'il faut que je parle en même temps. Mais quand même. Ok, le reverse. Et le tuto sur les doubles pas qui va arriver quand le jeu sortira.
enfin le que, pas sûr que les doubles pas, mais vous avez l'exclu si vous regardez ça, le premier partie de la nouvelle série de tuto portera sur le double pas. Ça me perturbe beaucoup ces commentateurs chinois. J'ai rien contre eux, mais pas l'habitude. Regardez ça. Quoi? Mais j'ai pas demandé ça, Touquet. Tu me laisses pas une très bonne impression de ton jeu pour l'instant, hein. Il me saoule à parler chinois. Moi j'aime bien écouter les commentateurs, mais je comprends rien là. And one. Oui, l'interception. Allez, premier dunk. Eh ben non. Du coup, j'ai raté mon timing de layup. C'est. Aïe aïe aïe. Pas évident pour l'instant. Pas évident du tout à prendre en main. Bon, vous me mettez sur quel joueur là? Parce que lui, il se met. Ok. Ok, il faut qu'on gagne le match, c'est dans les objectifs, je vous rappelle. Allez, premier dunk. À deux mains, comme ça, simplement. T'as 3 heures pour avoir une. Alors là, mais voilà, il me le pose à droite, je comprends rien. Ça me met l'icône comme quoi il va aller à gauche, l'écran. Enfin, il est du côté gauche et il me le pose à droite. Ok, on met nos lancers, c'est déjà ça, on est à 3 sur 4. Aïe aïe aïe, 65 en note de lancer franc. Ça descend très très vite. Hein. Regardez ça, je suis déjà plus qu'à la moitié quoi. Alors je suppose que si on améliore un certain insigne, peut-être de personnalité, ça va durer plus longtemps, mais pour l'instant, c'est pas joli joli. Hein. Ok, et c'est vert. Là par contre, on change. Je vais aider au rebond parce que vous voyez que le pivot s'est fait. Comment dire? Oh, lui il est tout seul. Le pivot s'est fait box out. Donc il fallait que j'aille en aide au rebond, sinon je partais en contre-attaque. Bon, on joue un petit peu mieux là. Allez, 59-48. Laissez-moi jouer, s'il vous plaît. Merci. Eh ben non, il l'a fait dans le corner. Je prends le rebond. Là par exemple, c'était pas très utile d'aller les aider au rebond, mais. Ok, la petite passe flashy. Bon, moi ça me perturbe ces écrans. J'arrive pas à m'y faire, c'est pas du bon côté. Va falloir régler ça, Touquet. Bon, B-, c'est pas terrible. En même temps, on fait pas un match de folie. D'accord, donc là il va le mettre de ce côté. J'ai fait la passe un petit peu tard. Mais je pensais qu'il allait rester, mais j'ai pas demandé un pop. Donc de toute façon, il est coupé. C'est un peu. C'est de ma faute totalement. Après c'est passé. Bien sûr il gêne ma coupe l'autre. Voilà, c'était du bon côté je crois. Oh le layup, c'est bon, on a les 20 points. Alors oui, cette année vous pouvez orienter votre joystick vers le panier. Bon, vu que c'est un absolu, ça sera tout le temps vers le haut. Pour avoir une finition agressive. Donc il faudra que j'écrive mon texte justement pour le tuto layup. Parce que l'année dernière, ça c'était juste pour un double pas classique. Mais cette année, c'est plus ça. Double pas classique, ça sera carré. Ah bah c'est bon, ça marche maintenant. Oh, je dunk. Bang, mon pote. Je m'y attendais pas, hein. Je pensais aller au layup. Mon joueur est super lent d'ailleurs quand on voit ça. Ça va, ça va. Je suis fatigué. Ah, mon joueur, vous voyez, quand il a été fatigué, ça c'est bien. Il a été fatigué. J'ai fait un step back. Et bah, il s'est perdu dans ses dribbles. On va la faire à Lee parce que ça a l'air d'être la star de l'équipe. Ok, il met des sales 3 points. On va avoir besoin de toi pour remonter la pente, mon pote. Ah, je l'avais piqué. Vous voyez, il a commencé à faire son dribble rythmé. J'appuie carré au bon moment. Je prends la balle. J'imagine qu'avec un défenseur, ça doit être mieux parce que là, on doit forcément avoir un pourcentage de fautes plus élevé. Mais les interceptions, c'est un peu mieux. Pas beaucoup d'options. On va lui poser un écran. Ah, ça... Oh, Mr. Big Shot. 4 points de retard, messieurs. À 50 secondes de la fin. Bon, bah, on va perdre. Oh oui, l'interception. On y va pour le dunk. Ah non, c'est un mid. Oh, ça rentre. Ça va qu'on est en carrière. Ok, 9 secondes.
2 points. Mais pressing tout terrain, bande de cons, mais ils sont... De toute façon, on va faire la passe à Way hein, pour le dernier. C'est lui qui est up. Ah ouais, mais ils sont pas dans le bonus. Ok, c'est toujours le pad pour la faute. 4 secondes 9, il va nous rester. Hein. Ah, il met le premier. Ouais, il va falloir que tu assures à 3 points. Ah, il met les deux, c'est fini. C'est fini. Aïe, 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 ça se passe pas très bien pour le premier match déjà. C'est pas très bon. On est déjà à 51 minutes de record. Avec ta vieille gueule, toi. Bon, on n'a pas eu un des deux objectifs. Ok. Alors, dunk après contact, 400. Donc, ça, c'est les badges. Donc, c'est avec des My Points pour les badges et des VC pour l'amélioration. Ok, ok, ok. D'accord. Donc, ça s'appelle My Points, les points qu'on a dans les matchs. Ils ont un nom, c'est-à-dire. On débloque un peu tous les insignes, enfin on débloque rien, mais on augmente un peu tous les insignes, c'est normal au début. Hop. Bougie d'allumage. Donc ça c'est des insignes de personnalité, micro-ondes. Joueur décisif. Ouais, c'est grâce au shoot que j'ai mis. Briseur de cheville, on l'a. Ah c'est cool. Parce qu'avec un ailier, je l'aurais pas eu, je crois. Bon, je dois l'avoir en bronze ou en argent, mais c'est toujours ça. Ah, on commence à 7,1. Donc, si t'as fait le prélude, tu commences un petit peu plus... Tu commences pas à 0, quoi, je pense. Putain, ça monte vite. Et on n'a pas eu beaucoup de VC, du coup, parce qu'on n'a pas eu l'objectif. Parce qu'on aurait eu l'autre, ça aurait refait 500. Et là, on serait pas mal, hein, niveau VC. Ce serait pas mal du tout, mais on n'a pas eu l'objectif. Il va y avoir une cinématique, donc je vais me taire. La dernière fois que je t'ai vu, t'avais des ailes. Hein. Something like that. See you around, AI.